Bonjour à tous, c'est Hervé, bienvenue sur conseilguide.com. Voilà, aujourd'hui, je vous présente digitalocean.com. Eh bien, c'est tout simplement un hébergeur qui met à votre disposition des serveurs et par contre, il a comme particularité de vous proposer les serveurs donc à la consommation. Regardez, à l'heure, avec différents coûts à l'heure en fonction du serveur que vous choisissez. Par exemple, ici, vous cherchez un VPS, donc de 1 giga de CPU. Ben 1 giga, avec un CPU, un CPU de 1 giga et un disque dur de 300 giga, avec 2 téra de transfert, ça va vous coûter à peu près 10 dollars, 10 dollars le mois. Ce qui vous fait à peu près du 0,015 centimes de dollars, donc cents à l'heure. Donc, il a cette particularité. L'avantage, c'est qu'il est fait essentiellement pour les développeurs. Ça vous permet finalement de tester l'ensemble de vos applis que vous souhaitez créer sur le net ou sur la toile plus exactement. En plus, il a comme particularité d'avoir une offre préférentielle pour vous attirer à venir. C'est qu'il vous offre 10 dollars. Comme ça, vous allez pouvoir tester 10 dollars de crédit. Il a également une communauté à votre disposition qui est très active et qui va vous permettre d'apporter des réponses, en tout cas la plupart des réponses à vos questions. Alors, c'est en anglais, voilà. Par contre, ça fonctionne très très bien. Et c'est extrêmement simple de vous créer un compte et extrêmement rapide. On y vient. Donc, je vous montre un peu, là je fais un petit tour d'horizon pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Vous pouvez choisir exactement le data center que vous souhaitez et celui-ci vous délivre l'API. Et voilà. Alors pour l'ouverture du compte, c'est très simple. Ici, vous indiquez votre adresse mail. Voilà. Vous mettez votre mot de passe et ensuite vous créez votre compte. C'est d'une simplicité enfantine. Voilà. J'ai mis un avis favorable pour Digital Ocean et je vous dis à très vite sur Conseil Guide.